nain. D'accord. Je suis médecin dentiste, je suis installé à Rabat. Maintenant, on va visualiser une caméra optique qui remplace l'empreinte conventionnelle. Donc, on va visualiser le fonctionnement de, de ce scanner. Donc, on va commencer par le maxillaire. On va commencer le scannage. Maintenant, nous sommes en train de scanner la face vestibulaire. Donc, quand on visualise le carré vert, ça veut dire que nous sommes dans la bonne position. Quand on a un carreau rouge, ça veut dire qu'on est dans une mauvaise position. Donc, on va essayer de refaire le même secteur. Voilà, on est en train de scanner la face occlusale. Maintenant, on va passer à la face palatine. Voilà, et sur l'écran, on visualise le modèle qu'on a scanné. Après ? Après, quand on finit le scan, on visualise notre empreinte digitale. Et puisque c'est notre première utilisation, ça bug. Il faut juste savoir manipuler le dispositif. Voilà. Maintenant, c'est bien. On va refaire ce secteur vestibulaire du côté droit. Donc maintenant c'est... Nouveau matériel. Pardon ? Nouveau matériel. Bien sûr, c'est une nouvelle tendance. Au lieu de faire l'empreinte conventionnelle avec les matériaux d'empreinte, on utilise ce scanner pour avoir un modèle digital. Comme ça, notre laboratoire peut confectionner des couronnes avec cette image scannée au lieu d'utiliser le plâtre. Donc on économise le temps. Voilà, maintenant qu'on voit sur l'écran, donc le programme il est en train de remodeler le maxillaire. Il faut juste une bonne manipulation. Voilà, maintenant c'est bien. Maintenant c'est bien. Voilà, c'est la nouvelle technologie. Comme ça, on ne peut utiliser les matériaux d'empreinte. Et ça facilite même la tâche au niveau du laboratoire. Et on aura notre prothèse dans les plus brefs délais. Maintenant. Voilà. Voilà, maintenant on continue bien parce que nous avons le carreau vert. Maintenant nous sommes en train de scanner toutes les faces. Voilà. On a besoin parfois de refaire le même site. Comme ça pour avoir un maximum de données. Pour avoir le maximum de détails. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, on est presque de scanner tout le maxillaire. Voilà. Et après, quand on fait le scan, on va visualiser notre modèle. Attends, je vais finir le scan. Et on va arrêter ça pour voir notre résultat. Maintenant, je vais cliquer sur... Attends, je vais refaire ce secteur comme ça pour avoir plus de précision. Voilà. Je suis en train de refaire les zones qui sont pas bien visualisées sur le modèle. Vous voyez? Et après, voilà, je suis en train de finaliser mon travail. Voilà, maintenant on va faire stop, on va arrêter.
Et voilà, il me demande est-ce que vous voulez générer ou supprimer. On va générer. Comme ça, il va restructurer le modèle. Ça nous aide à digitaliser notre travail. D'accord, comme ça, voilà, il a fini. On peut voir notre modèle dans les trois dimensions. Vous voyez, 3D. Comme ça, on, par exemple, si on veut faire une couronne au niveau unitaire, donc quand on fixe notre taille, on fait un scannage et on envoie ce modèle digital à notre laboratoire. Et d'après ce modèle, il peut confectionner la future prothèse. Les prix de ce... Ah, il faut demander à la société. Moi, je suis médecin dentiste. Il faut demander à la société.